Le million de crédits à 40 euros, c'est en ce moment même possible sur FIFA Coin. Profite d'une réduction avec mon code AXO et fais-toi plaisir pendant la TOTS. Tous les liens sont en description. On est de retour de vacances les gars, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez-moi, ça va peinard. J'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps, je sais pas quand je mettrai celle-ci. Mais en tout cas, nous on est de retour pour ouvrir quelques packs pour la TOTS Ligue 1. J'ai gardé mes récompenses Division Rivals. Et on aura les packs du jour, on aura également quelques packs fut champion parce que j'ai fait les playoffs à l'arrache. Donc voilà, j'espère qu'on va packer notre premier TOTS Ligue 1. Les mecs, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo, elle est assez importante à aller voir. On a parlé un petit peu de ce qui s'est passé vendredi soir sur les récompenses fut champion. Du coup, nous sommes partis, on va passer directement sur le jeu. Et au programme, bah écoutez, ils ont mis R9 en SBC, R9 base. Je ne sais pas si vous allez le faire, il y a 27 défis. Ça monte jusqu'à 92, perso ça sera 100 mois. Là, c'est un SBC où tu vas payer uniquement le nom plutôt que le joueur et sa qualité. Hein, R9, c'est une carte qui est sortie au début de l'année. Après, il doit être fort, mais je pense qu'il y a mieux. Et pour beaucoup moins cher, les gars. Ils avaient sorti aussi un PP icône buggé, apparemment. Ça, j'étais pas au courant. Hein. Bon, ça va, c'est pas souvent qu'il y a des bugs. J'ai commencé Silas, les gars, parce qu'il est pas cher. Et il peut rentrer dans ma team. Du coup, on ira le terminer après. Et puis voilà les mecs, hein, je pense qu'il n'y a rien de nouveau, sinon on a les 83x10 et tout. Nous ce qui nous intéresse c'est bien sûr la TOTS Ligue 1, on ira faire les 83x10 après. Cette TOTS Ligue 1 qu'on va se regarder avec au programme bah, de très belles cartes forcément. Et bah, je ne peux pas m'empêcher de revenir sur ce qui s'est passé. Mbappé, Dembélé et Zaïre Emery que pas mal ont paqué grâce à un bug. Qui vont être durs à avoir dès maintenant. Mais bon, on espère. Vitinha, très sympa en double 5. Après, on retrouve du Donnarumma. On retrouve du Marquinhos, David et Golovin. Au milieu, on a un Cherki Moments avec un Thuram. Très belle carte. On a Obama aussi, Del Castillo, Les Melou, Hernandez et Thiago Santos. Bon, ça fait plaisir. Ils n'ont pas oublié Brest. J'avais peur, hein, mais il y a beaucoup de joueurs de Brest, donc c'est cool. Nuno Mendes, Ben Taleb, Medina, Todibo, Zakaria, Dante, Leko et Lala. Sont là pour terminer cette équipe. Bon, les cartes du banc, on risque de beaucoup les paquer. Au niveau des femmes, on a cette équipe. Et voilà, les cartes de zinzin. Vas-y les gars, on est parti, on s'ouvre ça. J'espère qu'on va avoir du bleu en hein, direct. Hein. On est parti en vacances. C'est peut-être la théorie de s'absenter va marcher, j'espère. Ça ferait plaisir. J'ai plus rien. Hein. J'ai commencé Silas là. Putain, on a déjà une double anime là-dedans. C'était quoi comme pack? C'était un Prime? Ah, effectivement, c'était un pack Prime. Bon. Si ça pouvait continuer comme ça, mais avec des bleus, ça serait pas mal. Allez, double 78. Et après, les rivals, les gars, on a... Bah, je suis pas monté élite, mais j'ai juste une victoire à faire. Je monterai élite la prochaine fois. Bah, Hernandez, mais c'est pas mal encore, ça. C'est un pack éclaté, 85. Bon, continue, hein. Moi, je veux finir Silas, ça m'arrange. Harry Kane. Bah, voilà, évidemment. Ah ouais, plus TOTS. Donc, logique, hein. En tout cas, on a beaucoup d'animes, les gars. On a énormément d'animes. Bon, pas de TOTS, mais c'est pas grave. On va aller chercher les rivals, tiens. Ah, mais attends, mais il y a la carte rouge aussi, c'est vrai. Putain, mais les gars, je suis déconnecté du jeu. C'est vrai qu'il y a la carte rouge, les mecs. Est-ce qu'il y en a qui ont ouvert vendredi soir, ça? Ça se trouve, vous avez eu le Kix, Zaïre Emery ou Dembouz, les gars. Bon, bah écoutez, hein, dans tous les cas, le compteur va officiellement passer à 1. Nous sommes partis, les gars, carte rouge. Let's go. Oh, elle offre tu stick, c'est pas mal en vrai. Cobble, beauf. Gabriel, beauf, Death, beauf. Il est fort? Il va prendre plus 1? Ouais, je le prends. En plus, j'ai besoin de milieu, les gars. Bah écoutez, je le prends. Magnifique! En plus, il a tous les trucs de passe. Il peut jouer DLD aussi, putain. Bah, go le prendre, les gars. Love tu stick, hein, la question se pose pas. Vas-y, allez. Ça part sur lui. Et ça tombe bien, on a besoin de milieu, les gars. Allez, le numéro 2. Allez, on pense fort à la lueur bleue. Voilà, les gars. Allez, Brésil. Milieu défensif, on va voir Casemiro. Allez, derrière du TOTS qu'on n'a pas, s'il vous plaît, eSport. C'est qui celui-là? Pavlovic, la grosse merde, voilà. On va pas se mentir. Je savais même pas qu'il était TOTS. Allez, double 87, les gars, c'est pas mal. Et j'espère qu'on va avoir du TOTS Ligue 1 pour valider cette putain de prédit. C'est marrant, mais j'y croyais pas une seconde. On va voir Haute-Garde. Bah, c'est un doublon, malheureusement. C'est un doublon. Allez, derrière, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Derrière, on a Bernardo. Bon, 88. On a le dernier, les gars. Dernier double 87. Récupérons Haute-Garde. Allez, un bleu, là. Pouah, va te faire foutre. C'est dur, hein. C'est vraiment pas terrible, hein. Qu'est-ce que c'est qu'on a, là, Bernardo? Non, Bruno. Pouah, Bruno, double anime. Bon, bah, heureusement, après, c'est un double 87. Vraiment, je suis déçu, les gars. Pour mon retour, quand même, eSport, t'es pas gentil, hein. T'as, on en parle de Medina, il va tomber, regardez. Allez, c'est parti, premier 83x10, c'est bleu, les gars, et attention, français. Oh, c'est un troll. Ah, arrête, tes conneries. On a compris, eSport. Je fais quoi? J'ai la fenêtre, là, je... Attendez.
Je vous souhaite une bonne journée, les gars. Allez, ciao, ciao. Ah vraiment, en plus, c'est vraiment le troll genre dégueulasse, quoi. Encore, tu lui mets 4-5. Bah, elle a pas une mauvaise carte après, hein, mais bon. Je suis dépité. Je pleure maintenant ou j'attends Allez, envoie du lourd, là, putain, un milieu. Envoie un milieu de terrain. Gayoro, je suis content. Pas de bleu. Dommage. Croatie, MC. Allez, la double anime au moins pour compenser. Modric. Ouais, on a la double anime, les gars, c'est bien. C'est pas mal. Et ça va être Bernardo. Allez, envoie du bleu, là. Et pas n'importe qui, s'il te plaît, Yesport. Putain, on va vraiment avoir que 4 autos, sérieux. Après, il y a le dernier pack à ouvrir, là, mais bon. Putain, on a même pas d'anime. Regardez, Wirtz, évidemment. Ah, ils sont trop mignons, putain. Ah, ça m'avait manqué. Ça m'avait tellement manqué. Bon, je retourne en vacances, les gars. Ah, celui-là, il est beau. Celui-là, il est beau. 24 hours later. Bon, j'ai pas des packs de foufou. Hein. Hier soir, j'ai stream, on a fait les 83 x 10, les gars. Mais bon, il y a un 5 x 84, je crois. Allez, petit double 83. Ah. Italie. Oh, Donnarumma. Ah, bah, c'est lui, ouais. Bah, pourquoi pas hein. Après, c'est un gardien. Il est noté combien? 95. Après, j'ai déjà des gardiens. Moi, j'ai packé tous les gardiens. Tots Bundes, j'ai eu Cobble, PL, j'ai eu Allison, mais je donne Donnarumma, les gars, ok. Est-ce qu'il y en a qui l'ont testé? Bon, de toute façon, il rentre pas dans ma team, donc je jouerai pas. Là-dedans? Vendable? Français? Dédé? Lala? Putain, vendable, bon, on prend. Ah, j'aurais préféré plus cher, mais bon, c'est un pack vendable. Il vaut combien, Lala? Putain, quand je vois Tots vendable... Ah, j'ai des... On a un 5x84. Encore? Oh, bah putain, allez, Brésilien. Gardien. Hein, c'est Ederson. Allez, derrière, un bien. Oh, double anime. Bah oui, double anime, forcément. Je suis plus habitué. Hein. Allez, s'il te plaît, un bien. Oh, je le connais pas. Non, c'est de la merde. Ouais. Ah, il a pas le plus. C'est dommage. Tu vois, ça, c'est une carte. Elle aurait pu être cool, mais il a pas le plus. Bon, mais c'est parti, les gars. Le pack Tots garanti. Anglais. C'est la meuf. Oh, c'est horrible. Oh, putain, fait chier. En plus, la prédit va passer. Putain de merde. C'est nul! Bon bah les gars, fin de cette vidéo. Eh bien écoutez, le gros troll, l'énorme troll, purée de merde. J'ai pas de mots. Putain, notre Tots, elle est quand même catastrophique, les gars. Bon, j'oublie pas Reus quand même qu'on a eu sur la Bundes en fut de champion. Le Saliba sur la PL, mais c'est vrai que ce nouveau compte, décidément, on a la poisse, les gars. Je vous montre l'équipe quand même parce qu'elle a un petit peu évolué depuis le précédent épisode. Et regardez, on a 32 calls et j'ai placé ces joueurs-là. J'ai récupéré Meinou. Dernièrement, je le testerai en fut de champion. On a Loftus-Cheek aussi. Voilà, c'est pas mal. Loftus-Cheek, en vrai, il est intéressant pour l'équipe parce qu'on a pas mal de joueurs anglais et ça fait les liens. Maintenant, il est à 2 de colle, donc il faut voir. Abili m'intéresse fortement. Après, je me dis là, fait aussi le Roi Sané. Je l'ai commencé et peut-être que ça fera des liens ici. Le Roi Sané, il a quand même le Trickster Plus et le 5 GT. Donc, on verra bien, les gars. Demain, je ferai fut de champion, les mecs. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas pu le faire parce qu'il y a que des bugs dans le jeu. Je sais pas vous, mais c'est une dinguerie. Je vais passer en plein écran, les gars, parce qu'il faut qu'on parle, les mecs. Mais comment c'est possible que le jeu bug autant? Mais c'est incroyable. Vendredi, il y a eu les bugs des rouges. On a eu hier un bug avec un choix icône. Et là, je sais pas vous, mais il n'y a pas moyen de jouer sans avoir des déconnexions. Les menus sont lents, machin. Du coup, j'ai pris une décision. Je l'avais dit, je crois, dans la dernière vidéo. C'est terminé. Les packs avec la boutique, c'est fini. J'en ouvrais en stream pour les abonnés. Maintenant, les gars, dès que vous mettez des points, je n'ouvre plus vos packs. Je refuse. Je boycotte la boutique. Voilà, je boycotte la boutique. Le compte Pay to Win, de toute façon, vous voyez bien sur YouTube, j'y vais plus jamais. J'ai mis 0 hein, sur la Tots. De toute façon, vous le savez, je suis à 0€ sur mon compte principal. Mais c'est vrai que j'ai un petit compte secondaire où on aime bien des fois tester ouvrir les packs boutiques. Mais je suis sûr que vous n'êtes même pas au courant tellement que j'ai mis peu de vidéos. Mais ça, c'est fini. Moi, c'est terminé. Je gèle les microtransactions. J'aimerais bien que mes collègues suivent. Je sais que moi, ça ne changera rien. J'ai trop peu d'audience pour que ça suive. Mais moi, j'ai pris cette décision-là, voilà. Et je vous le dis, terminez la boutique, les gars. Vous faites comme vous voulez, si vous voulez mettre des points, machin, faites ce que vous voulez. Moi, je ne vous invite pas à faire ça forcément. Voilà, il y a plein d'autres jeux cool. Il y a les crédits éventuellement, à la rigueur. Prenez des crédits, comme ça au moins vous pouvez acheter des joueurs. Vous pouvez faire de la charvente avec les crédits. Vous pouvez acheter les packs boutiques, mais avec des crédits, c'est bien mieux. Les points, ça donne à eSport et ils ne méritent pas avec les bugs comme ça. Franchement, c'est inadmissible. Du coup, ça, c'est terminé, les gars. Voilà. Hein, au moins c'est dit, et puis ce sera pas à redire, parce que de toute façon, j'ai pris ma décision, c'est finito, maintenant, même l'an prochain, honnêtement, moi je veux juste qu'il change, purée,
qui corrigent leur jeu. Je comprends pas comment c'est possible. Ils s'en foutent, mais c'est vraiment un scandale. Moi, j'ai plus de mots, les gars. J'ai plus de mots. Du coup, j'étais extrêmement déçu cet après-midi. Quand j'ai streamé, le jeu a fait bugger. J'ai eu des décos pendant les matchs. J'ai eu des défaites. J'ai eu des machins. Et j'ai bien câblé. Du coup, j'ai pris cette décision-là. Et je ne reviendrai pas là-dessus. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi la vidéo. Moi, je vais vous laisser là-dessus. On se capte demain pour le FUT Champions. Parce que forcément, on n'a pas pu jouer aujourd'hui, vu que ça faisait que bugger. Donc, il faudra le faire demain. Et j'espère qu'on aura de belles récompenses pour upgrade cette team, les gars. Ciao, ciao, tout le monde. Et bonne journée.